Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. On va aujourd'hui continuer à gérer le trafic parce que évidemment, c'est un peu le bazar, hein. On a même des problèmes d'électricité, donc on va d'abord régler ça parce que c'est très très important. Alors est-ce que... Ah non, on ne crée plus assez d'électricité. Voilà, on est à un stade où on ne crée plus assez d'électricité avec le barrage. Barrage qui crée quand même déjà 500, je crois, donc c'est déjà plutôt pas mal. On va se prendre... Bon, on va faire une zone, une centrale nucléaire, hein. Une petite centrale nucléaire, ça fait... Ça a jamais fait de tort. Enfin, presque. Alors, est-ce que ici... Non, ça va pas passer. Est-ce que là, ça pourra passer à un moment donné? Alors, oui, mais je suppose que je suis... Ah, je suis encore dans la zone. Ah bah, parfait. Écoutez, on va agrandir ça. Voilà. Alors, non, non. Je vais prendre ça. Voilà. Et on pourrait même faire une petite zone. Une petite zone poubelle. Alors, pour le moment, je vais mettre ça. Histoire de régler le petit problème de centrale nucléaire. Voilà. 640 en plus, ça va aider. Clairement. Clairement. Alors, la dernière fois, on s'était dit, mince, comment ça se fait que ça déconne comme ça? On a beaucoup de véhicules de particuliers, en fait. J'avais pas remarqué. Ils viennent d'où ces particuliers? Ils viennent de là-bas. D'accord. Donc, ils veulent venir dans notre petite zone. Ils veulent venir faire la fête, je crois. C'est une très bonne chose, écoutez. Ce qu'on peut très bien dire aussi, c'est que... Donc, ils peuvent aller un peu où ils veulent. S'ils veulent, hein, évidemment. Parce qu'ils font tac-tac-tac, droite-droite-droite, et ils vont là. Au lieu d'aller ici, en fait. Ce qui est un peu dommage. Année académique, nous sommes passés de renommée à renommée, donc ça, c'est une bonne chose. On va ici dire, n'aie pas peur, tu peux avancer. T'inquiète pas, tu forces un peu, mais ça passe toujours. Là, ça me plaît pas. De nouveau, je veux pas qu'il fasse des petits demi-tours comme ça crée juste du trafic pour rien du tout. Super, on va régler la même chose là. Hop. Et hop, génial. Est-ce qu'on a du monde qui attend ici? On a quand même quelques-uns. Est-ce que ça pose problème? Non, alors je sais pas si c'est les lignes de monorail. Ça doit être une ligne de monorail et une ligne de métro. Mais en tout cas, regardez-moi ce monde! Regardez-moi ce monde! C'est abusé. C'est abusé. Alors ça doit être pour le stade, je suppose. Je suppose que ça doit être ça. Clairement, y a un peu trop de monde, j'ai l'impression. Alors par contre, ça nous fait gagner un pont, mais genre énormissime. Donc ça, c'est cool. Par contre, on a quand même ce problème ici. Donc, on va prendre ici et analyser. Donc, il passe par là et... Alors, on va enlever, on va mettre juste véhicule particulier. Une partie repart vers ici, en fait, va travailler, on dirait. Et une partie va s'amuser. Alors, on pourrait essayer de se dire... Que ça ne pourrait aller que dans un seul sens, mais est-ce que je ferais aller dans l'autre, dans ce sens-là? Parce que du coup, ça va créer encore plus de trafic ici. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont par là, hein. Donc on va quand même. Alors, on va dire que lui, donc, peut aller là. On va quand même dire où là. Même chose, lui, là. Oula, alors si mon PC veut bien, hein, il avait une petite envie de pas faire ça. Voilà, et lui, même chose, comme ça ou comme ça. Voilà, après ils changent entre eux s'ils veulent. Mais il faut bien qu'on précise qu'on puisse aller là, sans trop de problèmes. Alors là, tu avances,
S'il te plaît. N'aie pas peur. N'aie pas peur de forcer. Vas-y, vas-y. Tu peux y arriver. Parce qu'en fait, ça bloque aussi un peu parce que là, ça s'arrête, hein. On va dire tu peux aller là ou là. Voilà. Est-ce que j'ai mis des panneaux peut-être de priorité? Ouais, on va supprimer ça. Voilà. Voilà, parfait. Ok. Alors, ici, j'avais mis ça. Ben, on va le supprimer. Hein. On va supprimer ces priorités. Je suis pour à certains moments les priorités et à d'autres moments pas du tout. Alors, donc là on est là, même chose, n'aie pas peur, tu peux avancer, on va te laisser te forcer à avancer. Même chose ici. Et alors maintenant, on est, ok, notre quartier de l'or noir a atteint le niveau 5, niveau 5, pardon. Et là, on est sur un possible futur rond-point, je crois. On a beaucoup de monde, et ça bloque ici, en fait. Donc si je fais un petit rond-point. On va prendre un rond-point. Alors, on va faire une route à deux voies à sens unique. Pourquoi route à deux voies et pas une autoroute? Pour qu'on puisse laisser nos piétons marcher, pardon. Ok, on va tester ça. Alors, c'est une toute petite zone, hein. Clairement, c'est très petit, mais l'idée, c'est vraiment de fluidifier un peu le truc. Alors, pour le moment, ça marche pas. Mais pour le moment, normalement, ça devrait un peu aller. Alors, on peut, dans le pire des cas, mettre tout en sous-sol, enfin faire traverser en sous-sol. Mais vous voyez, le but, c'est que ça ne se bloque plus ici. Et du coup, de libérer la zone là. Parce que des fois, on a un trafic, mais qui, voilà, qui clairement, genre ça, je veux pas là. Le petit demi-tour qu'il a fait, ça me plaît pas. Ça me plaît clairement pas. Alors là, ça continue, ça continue. Vous voyez, en fait, le trafic va vraiment beaucoup plus loin qu'on ne le croit. Alors ici, ça a l'air de se libérer. Parce que du coup ça va beaucoup mieux ici. Mais là du coup ça bloque. Alors ça bloque parce qu'on traverse. Ça a l'air ça. On peut dire te forcer. Hein. On va tester un peu de forcer, voir ce que ça donne. Alors juste là par contre, il y a quand même une priorité sur les plus grandes voies. Et là, on va dire de quand même forcer aussi. Même chose là. Tu forces, et ici, tu n'as pas priorité. Parce qu'il faudrait pas qu'il y ait plus de monde ici parce que, on a décidé que, vous voyez. Ok, donc là, hop, ici, c'est débouché. Génial. Maintenant, il va falloir que là, on réussisse à les faire aller un peu plus vite. Alors, on va pouvoir dire de forcer maintenant. Parce qu'il y a moins de monde, donc ça peut le faire. Alors, on va voir, hein, parce que peut-être que ça marchera pas. Mais ça a l'air de quand même assez bien aller. Alors, on a aussi ici un peu où ça bloque. Mais une fois qu'ici il y aura un peu moins de monde, bah, ça devrait aller. Comme d'hab, hein, c'est toujours dans cette idée-là. On repasse à un petit pourcentage sympathique. Ici, oh, il traverse encore sur cette zone-là. Donc ça... What? Ouais, donc clairement, ça j'aime pas. Clairement, c'est le genre de truc que je déteste. Genre, ils se mettent tous sur une bande. Alors, tu peux faire ça. Et tu peux même changer de bande. N'aie pas peur. Donc, t'inquiète. Peu importe la bande où tu veux aller, tu pourrais y aller. Ici, on le force à aller à droite. Alors, c'est pas plus mal, mais on peut très bien dire donc, tu vas comme ça, ou tu vas comme ça. Et alors lui, on va dire, tu tournes ici, toi tu tournes là, ou tu continues par là. Et toi tu vas soit là, soit là.
Parfait. Et ici, comme on a toujours de sorties, on peut en profiter, vous voyez, pour vraiment dire. Tu peux choisir deux bandes, il n'y a pas de souci, on va pas t'en vouloir que tu fasses ça. Alors ici, je dois juste. Ouais, non, là c'est bon, je vais pas le forcer à choisir une bande. En fait, on peut lui dire, hein. Tu vas là ou tu vas là. Voilà. Alors, vous avez vu ce monde ici, là? On a une énorme demande. Alors, pourquoi ça? Pour juste aller. Pour aller ici? Attendez, c'est quoi le trajet qu'il fait? Il passe là, il s'arrête dans la petite zone ici. Il va là, mais c'est fou. Donc, est-ce que c'est encore utile? Je dirais non, parce que on a nos monorails. Donc, je supprimerai bien cette ligne pour que on ait moins de monde. Alors, c'est triste, hein. Aperçu des lignes. C'est celle-là. On va la supprimer. Alors c'est peut-être une très mauvaise idée, hein, mais peut-être pas. Parce que du coup, ils vont aller où? Alors ils sont en train de se séparer et ils vont aller vers les monorails. On va voir, hein. Si ça augmente d'un coup, c'est que bah, ils vont vers les monorails. Ah non, ils vont. Une partie passe par les monorails et une autre va à pied. Alors peut-être va chercher un métro. C'est totalement possible qu'ils aillent chercher les métros. Ah non, ils vont à pied. Ok. Ok, ils se sont dit, j'en ai marre, je vais à pied. Alors c'est vrai que pour aller là, on n'a pas d'arrêt spécifique. On aurait pu faire peut-être un arrêt au milieu pour qu'ils aillent à gauche ou à droite. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Je vais continuer encore un peu avec les monorails parce que vous voyez clairement on a plus de personnes sur les monorails que les métros. Ici, les passagers, est-ce que ça va niveau transport? Alors, on peut un peu réduire parce que vous voyez ils sont pas tous full donc je crois qu'ils doivent se suivre un peu trop proche. Genre, hop hop hop. Ça va encore. On peut un tout petit peu réduire peut-être. 15, mais c'est vraiment pour dire que quoi. Mais ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Bon, ici, clairement, on a un gros souci. Parce qu'il traverse encore beaucoup. Voilà. Un rond-point pourrait être une solution. Ça pourrait clairement être une bonne solution vu le monde qui passe quand même par ici, parce que c'est quand même une route qui vient de. Allez. Qui vient d'ici, quoi, vous voyez. Donc on va faire comme ça, comme ça. Alors c'est vrai que là, on pourra sûrement se faire une petite zone aussi. Ça pourrait être intéressant. Ok. Je vais faire le rond-point par ici. Comme ça, entre guillemets, c'est fait. Alors on va prendre un three-lane highway. Voilà. Parfait. Je vais quand même mettre une largeur de 30 si possible. Ouais. Ok. On est bien sur pause. Voilà. Parce qu'évidemment, ça va un peu tout chambouler. Alors, on va commencer par juste rejoindre du coup ça. Attendez, j'ai supprimé les rails ou c'est moi? J'ai l'impression que j'ai supprimé les rails. Non? Aïe 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 aïe, je crois que je vais foutre un petit bordel dans ce que je suis en train de faire là, mais bon. Tac. Ok.
Et parfait. Ici notre arrêt du coup. Alors, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. On va pour le moment faire comme ça, on va voir ce que ça a donné. Ok, ça passe. Et on a 48 000 habitants, on a un aéroport, donc ça c'est génial. Alors apparemment ça va. Donc on va pas trop se plaindre de ça. Et là, on est bon. Ok, super. Je vais du coup maintenant déplacer nos sorties à chaque fois. Ok, on va... ça va être plus rapide. C'est triste, mais c'est comme ça. On va les refaire, hein. Voilà, on prend ici. On appuie ici, on fait un petit clic. Et voilà, on voit que ça déconne, hein, mais bon. Ah, ça déconne à chaque fois là. Hein. Alors, je veux quand même faire ma sortie ici, moi. Est-ce que je suis pas en train d'un peu foutre mon bordel là? Alors je crois que là c'est bon. Ouais là c'est... Ouais non c'est pas bon. Promis, je vais y arriver. Hein. Ok, là c'est bon je crois. Et la même chose, on va partir en sous-sol. Ok. Parfait. Voilà, donc là ils peuvent traverser, ici ils peuvent aller beaucoup plus vite. Enfin beaucoup plus vite, ils peuvent plus facilement traverser. Alors trois lignes c'est peut-être un peu trop par rapport à là-bas. Surtout qu'en fait j'ai l'impression que le problème était plutôt ici. Alors on va refaire la même chose, hein. On va refaire des... On va refaire ça. C'est triste, mais il le faut. Par contre, est-ce que je garde trois lignes? Alors, waouh, tiens, du monde hein, en dessous. Est-ce que j'en mettrais pas deux plutôt? Bah écoutez, on va garder trois. Ça ne peut pas faire de mal, entre guillemets. On va juste... Alors ça, je peux pas trop déplacer. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'en fais deux? Est-ce que ça donne mieux? Ouais, non, pas vraiment. Hein. Bon, ça change pas trop, donc on va laisser comme ça. On va juste faire un petit pas contrôle O du coup, mais plutôt un petit bridge. Alors, inner roundabout, tunnel slope. On va savoir ce que c'est le slope. On va diminuer, on va une fois voir ce que ça a donné. What? C'est quoi ce bordel? What? Mais comment vous voulez que je fasse un truc, moi, là, avec ça? Comment est-ce que... C'est quoi ça? Voilà mon golfer. Hein. Alors on a celui-là. Allez, plus que deux.
Alors ça va être les pires, je crois. Ah, plus que 3. Alors normalement, je suis resté appuyé, du coup. Est-ce que ça va pas marcher? Non. Ça c'est un peu embêtant quand même. On n'avait pas un Undo. Non. De toute façon, je crois qu'on va le faire nous-mêmes ce truc parce que. Alors, avec un peu de chance, je peux essayer de choper un des deux côtés ici. Non. Bon, bah écoutez, pour le moment, on va rester comme ça. Ça va pas, ça ne va pas nous aider, mais bon. Alors ça, on va partir du coup en sous-sol. Ouais, déjà de si loin. Ah, attendez, si je fais ça. Et que maintenant... Est-ce que je peux peut-être réussir à... Oh, je l'avais. Yes, 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 yes. Génial. Ok, alors celui-là, on va quand même essayer de... De le faire ressortir, genre ici, quelque part. Hein. Alors oui, c'est sur la route, mais... Ok, vous savez quoi, j'abandonne ce truc-là. Allez. Non, vraiment, j'ai toujours de nouveau pas accès. Quel bordel, putain. Hop. C'est pas genre pire. Bon, j'en ai marre. Voilà. Parfait, on va reprendre du coup ça. On va prendre ici. On va dire tu vas tout droit. Parfait. Alors pour traverser... Ah ben vous pourrez traverser que d'une seule manière. Ça part d'ici. Ça va en sous-sol. Voilà, et ça se connecte là, et vous ressortez là-bas, point. C'est tout. Voilà. Ok, on va voir un peu comment ça va se passer concrètement ici, j'espère que ça va pas être trop désagréable. Boum. Gros problème. Alors c'est normal, ça arrive toujours au début. Ok, alors, ça du coup... On avait laissé la priorité. Ouais, c'est ça. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Alors, niveau trafic, ça va mieux ici. J'ai l'impression. Ça bloque un peu moins. Là, ça bloque quand même pas mal. On va un peu voir comment ça va évoluer. Nos deux gros problèmes sont situés là et là maintenant. Ici, je vois quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !